Wesh les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo sur quoi? Là ça va être un petit tuto. Comment arrêter tous les pénaltys, savoir où votre adversaire va tirer les gars. C'est pas du fake. De toute façon vous allez voir dans le reste de la vidéo comment ça marche. Je vais essayer de bien vous expliquer avec un petit montage qui a été réalisé par un éditeur. Donc je mettrai le lien de son Twitter dans la description. Je vais expliquer comment savoir où le joueur va tirer, donc savoir où il va falloir plonger les gars. On se retrouve sur la gameplay les gars. Donc pour vous expliquer, tout se joue dans les petits pas de côté. Donc si les petits pas de côté comme sur Benafa se font à droite, le joueur va tirer à droite. Là c'est un gaucher, donc vous pouvez voir qu'il fait des petits pas de côté vers la droite, c'est-à-dire qu'il va tirer à droite. Maintenant, on va passer sur le cas où, le plus compliqué, c'est-à-dire quand il tire au milieu. Donc là, vous voyez bien que Cavani ne fait aucun pas de côté. C'est-à-dire il va ni vers la gauche, ni vers la droite. C'est-à-dire qu'il tire au milieu, les gars. Donc vous restez au milieu de vos buts, vous ne bougez pas et le gardien va faire l'arrêt à votre place. Donc maintenant, on voit que le droitier Cavani fait des petits pas vers la gauche. Ça veut dire qu'il va tout simplement tirer à gauche, les gars. Donc maintenant, on va passer au clip où le droitier tire à droite. Donc vous voyez que Cavani, au départ de sa frappe, fait des petits pas, pas très prononcés, mais vers la droite. Donc ça veut dire qu'il va tirer vers le milieu droit. Donc pas totalement à droite, mais vers la droite. La puissance maintenant. Donc les gars, vous savez qu'il y a une barre, deux barres et trois barres. Donc les une barre, c'est ras de terre. Les deux barres, c'est mi-hauteur du but, comme vous pouvez voir là avec Di Maria. Et les trois barres, avec dans le clip dans celui-là, c'est la lucarne. Donc vous avez juste à redirectionner votre joystick par rapport à la puissance du tir. Donc maintenant, on va passer au récap. Donc, vous regardez vers quel côté, au début de la course, le joueur va. Donc, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit aucun. Donc, au milieu, vous regardez la puissance du tir. Et par rapport à tout ça, vous lancez votre goal et vous faites l'arrêt. J'espère que ce glitch vous aura plu. C'était les vidéos de SAS34. Abonnez-vous, lâchez un petit like, ça fait ultra plaisir pour le boulot que je fais. Allez, peace!